Aujourd'hui, je vais vous parler du conte de l'ours pas fin. Cette histoire-là a commencé avec l'arrivée des premiers colons dans la région, puis sur la montagne ici, autour de 1850. Les premiers propriétaires ont fait le ménage des lieux, ça n'a pas été long. Ça fait que plus de loups, plus de carcajou et surtout plus d'ours. Sauf un gros ours noir qui n'a jamais été revu, ni mort ni vivant. Ça fait longtemps que l'ours de Gleason nous joue des tours. C'est sa façon de se manifester. On ne sait pas trop s'il est réel ou un fantôme. Mais en tout cas, il laisse des traces de son passage. Comme des canons virés à l'envers, des bicycles qui se posent dans le bois tout seul, des hausses pétées. Hey, il est pas reposant. S'il y en a entre vous autres qui sortez des sous-bois pour faire du hors-piste, ben méfiez-vous, parce que une jambette d'ours, c'est vite arrivé. On arrive toujours au bout du parcours, du lieu d'où l'on vient. Toujours à l'affût de ce que l'on fut,